Hello tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo centrée sur la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Si tu n'as pas regardé la première vidéo, à moins que tu maîtrises totalement la physiopathologie de la BPCO, je te conseille d'aller faire un tour sur ce premier épisode. Car aujourd'hui, nous allons parler de l'exacerbation de la BPCO qui nécessite de bien maîtriser les notions de base de la physiopathologie de cette maladie chronique. Chaque année, plus de 70 000 personnes en France sont hospitalisées pour exacerbation de BPCO et 15% d'entre eux seront hospitalisés en USC ou en réa. Le taux de mortalité de ces patients est de 5 à 15% au cours de leur hospitalisation. Les épisodes d'exacerbation sont donc potentiellement mortels. Il est donc bien évidemment primordial d'en connaître la physiopathologie et surtout la prise en charge en urgence. L'exacerbation de la BPCO est définie comme un événement aigu caractérisé par une détérioration rapide et soudaine de l'état respiratoire du patient atteint de BPCO, notamment la toux, l'expectoration et la dyspnée. On en reparlera tout à l'heure. Cette aggravation aiguë entraîne une hausse de la prise de bronchodilatateur et ou l'ajout d'un traitement supplémentaire. Anciennement appelée décompensation BPCO, les exacerbations sont caractérisées par la présence de signes de gravité respiratoire, pouvant engager le pronostic vital des patients. Comme je l'ai détaillé dans la vidéo consacrée à la physiopathologie de la BPCO, cette maladie est caractérisée par un équilibre entre augmentation des résistances intrabronchiques et ou diminution de l'élasticité pulmonaire et augmentation du travail respiratoire pour compenser cette hausse des pressions au sein des bronches. En effet, le calibre des bronches est diminué par un ensemble de facteurs tels que l'inflammation locale, l'hypersécrétion de mucus et ou la présence d'emphysème, va du coup diminuer le calibre et augmenter la pression qui règne à l'intérieur des voies aériennes basses. Si le travail respiratoire, le travail que peuvent fournir les muscles respiratoires, permet de compenser l'augmentation des résistances à l'intérieur des voies aériennes, alors la maladie restera relativement stable et la symptomatologie du patient sera limitée en fonction du stade de la maladie. L'exacerbation de la BPCO est provoquée par un déséquilibre entre ces deux paramètres qui va être provoqué par un facteur extérieur. Une pneumonie, une bronchite, une pleurésie, une poussée d'insuffisance cardiaque, une embolie pulmonaire, etc. En gros, tout événement qui va augmenter encore le travail des muscles respiratoires qui vont alors potentiellement plus être en capacité de compenser ces fameuses augmentations des résistances des voies aériennes. On en a déjà un petit peu parlé, mais on va là plus le développer. Qu'est-ce qui permet de reconnaître une exacerbation de BPCO ? Il va déjà de base y avoir une majoration des signes typiques de la BPCO, c'est-à-dire une majoration de la détresse respiratoire, une majoration de la toux et potentiellement aussi une majoration des expectorations. On va avoir donc une polypnée, des signes de lutte plus ou moins marqués, une potentielle diminution du murmure vésiculaire bilatéral et symétrique, signe d'emphysème, et la présence de sibilants, signe de bronchoconstriction à l'auscultation. Il y aura aussi possiblement une confusion, des troubles de la conscience, des sueurs, une pâleur qui seront des signes d'hypercapnie, mais aussi des signes d'hypoperfusion périphérique comme la fraîcheur des membres, les marbrures, qui sont des signes de gravité d'hypoxie tissulaire. Une fois que l'on a identifié clairement l'exacerbation de BPCO, vous avez vu qu'il n'y a au final rien de compliqué parce que c'est un tableau qui est typique, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme traitement ? La toute première chose à faire, c'est de limiter l'hypoxie tissulaire. Le manque d'oxygène entraîne une lyse cellulaire pouvant causer des dommages très importants au niveau du cerveau notamment. La mise en place de l'oxygénothérapie doit se faire de manière prudente, mais sans limite, si l'hypoxie est profonde. Ce qu'il faut retenir, c'est que chez un patient BPCO, il faudra se fixer comme limite haute de la saturation d'oxygène 92%. De par la physiopathologie de la maladie, il s'agira au maximum de sa saturation de base. En raison de plusieurs paramètres différents qui sont un petit peu compliqués à détailler, lorsqu'on met en place une oxygénothérapie, on peut entraîner une hypercapnie chez le patient BPCO. Mais c'est une hypercapnie qui s'installe moins rapidement qu'hypoxie, que l'on pourra traiter dans un deuxième temps, et c'est une légende de dire qu'on ne peut pas mettre plus de 3 litres par minute à des patients BPCO. S'il a besoin des 8 litres par minute pour dépasser les 88% de saturation d'oxygène, on lui mettra les 8 litres. S'il a besoin des 15 litres, on lui mettra les 15 litres. L'hypercapnie peut plonger dans le coma, mais l'hypoxie tue, et ça très rapidement. Ce qu'il faut retenir avec l'oxygénothérapie du patient BPCO, c'est la titration. On ne va pas émettre pleine balle d'emblée 15 litres par minute à un patient BPCO, ça ne servira à rien, mais on va augmenter en visant toujours au maximum une saturation à 92%. On évaluera litre par litre en fonction de sa saturation.
Il faut également installer le patient en position demi-assise, voire assis en fonction de comment il tolère, le scoper pour prendre les différents paramètres vitaux. Dans un deuxième temps, il faudra lui administrer des aérosols, le binôme bêta-2 mimétique salbutamol 5 mg et un anticholinergique d'action rapide, l'ipratropium 0,5 mg. Ces aérosols seront à renouveler toutes les 15 à 30 minutes en phase aiguë de l'exacerbation. Si ces différents traitements ne suffisent pas et que la détresse respiratoire est toujours présente, ou alors que la détresse respiratoire est catastrophique d'emblée, il va falloir envisager la mise en place d'une VNI, une ventilation non-invasive. Il s'agit d'un traitement à part entière de l'exacerbation de la BPCO et elle est indiquée en cas de signes de gravité respiratoire et ou de pH inférieur à 7,35. Une gazométrie artérielle n'est pas forcément nécessaire avant la mise en place d'une VNI parce que c'est souvent le tableau clinique qui va nous pousser à la mettre en place. Je ferai très certainement une vidéo dédiée sur la mise en place de la VNI s'agissant d'une technique de ventilation que l'on utilise énormément en SMUR. A savoir que l'état comateux d'un patient est une contre-indication absolue de la mise en place de la VNI, mis à part pour le patient BPCO. Parce qu'une fois qu'on a éliminé les autres causes, on sera quasiment sûr que son coma est d'origine hypercapnique et donc il sera facilement résolutif avec une séance de VNI courte. De toute façon, la décision d'aller plutôt vers une intubation, plutôt vers de la VNI, reviendra au médecin. L'intérêt des gaz du sang artériel, c'est qu'on va à la fois pouvoir mesurer la profondeur de l'hypoxémie, de l'hypercapnie et de l'acidose engendrée par l'hypercapnie. Et si l'interprétation des gaz du sang t'intéresse, je te renvoie vers cette vidéo. À l'hôpital, d'autres examens seront réalisés pour rechercher le facteur déclenchant de cette exacerbation. Bilan sanguin, radiothorax, électrocardiogramme, prélèvement microbiologique, etc. Voilà, je pense qu'on a fini de traiter la BPCO à travers ces deux épisodes, la physiopathologie et la prise en charge de l'exacerbation. Dites-moi si vous reste encore des questions, posez-les en commentaire, envoyez-moi des messages, j'y répondrai avec plaisir en story ou sous d'autres petits formats pour que la réponse soit commune à tout le monde. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez apprécié le format et à le partager à vos collègues ou à vos proches. Et je vous dis à la prochaine, salut ! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear at all.